aussi la voix de Jacques Doucet, le fidèle descripteur des matchs des Expos à la radio. Le tandem qu'il forme avec Roger Brulotte marque l'imaginaire. Vous écoutez C1573, la radio officielle des Expos de Montréal depuis 20 ans. Galarraga qui s'installe, les buts sont remplis, deux retraits en début de 9e, 7-3 pour les Reds. Il avait le ton juste pour décrire le match de baseball, faire des intonations lorsque le match montait d'intensité, et quel duo avec Roger, qui lui explosait avec les Expos. C'est lancé, balle frappée de plomb, directeur de champ droit, et elle est partie! Andrés Galarraga, son deuxième coup de circuit du match, au champ opposé, provoque l'égalité. Moi, j'avais plutôt la réputation d'être le gars qui temporisait, qui ramenait les choses à un niveau de décibels plus respectable. Nous étions les yeux des aveugles qui suivaient le match. Parce qu'il ne faut jamais oublier, quelqu'un qui écoute un match à la radio, c'est un handicapé visuel. Il ne voit rien. Il ne voit rien, sauf ce qu'il voit, c'est dans sa tête. Le lancer. On lance au premier coup, c'est la balle échappe à l'attention du joueur de premier but. Et voilà Galarraga qui contourne le troisième. File vers le marbre, il détruit le saut. Et les Expos reprennent les devants 4-3. L'agressivité de Galarraga venir marquer du deuxième but, Jacques. C'est excitant la radio, parce que ça prend du temps avec la balle passe l'autre bord. C'est la balle frappée, la balle est dans la gauche. Tu sais qu'elle est l'autre bord, casse-toi pas la tête, tu sais. Mais la radio... Le gars dans sa voiture, il est sur le bord de la piscine, avec sa famille. Oh, la balle est frappée, elle est loin, loin. Ça fait deux minutes qu'elle est l'autre bord. Oh, bonsoir, elle est partie. Le gars t'a rendu au deuxième but, mais il ne sait pas encore. Là. Lui, il pense que la balle est suspendue en l'air, que tout le monde attend. Pensez ça quand tu écoutes la radio. Oh, qu'elle est loin. Elle est loin. C'est quoi loin pour toi? Chacun a son loin, mais t'es loin. Des fois, pas ça de justesse, mais t'es loin. La beauté de la radio. Le baseball, c'est le seul sport que je suis capable de dire... qui s'intègre à la vie quotidienne qui continue. Le tir. Deuxième prise, le compte est complet, 3-2. Après deux retraits, en début de 9e. Les gens sortent l'été, évidemment, ils s'en cabanent pas. Le baseball, là, c'était partout. Là. Tu allais à la plage, tu as le match, tu vas chez ton voisin, c'est là. Donc, il y avait comme une espèce de fond sonore, baseball, toujours un peu en permanence. Donc, ça faisait vraiment partie du paysage. Là, c'est au tour de Témoin-là qui sa première présence en attaque. Moyenne de 224 avec 9 coups de circuit et 59 points produits. Ça fait 20 ans que je fais de la tournée. Ça fait 20 ans que je me promène. Puis quand tu as un spectacle au lac Saint-Jean, puis que tu reviens après ton spectacle, puis tu as 5 heures de route à faire. C'était le fun d'écouter le baseball, ça passe. C'était comme un divertissement. Et ça me manque beaucoup, parce que je fais encore de la route, puis j'ai plus de baseball.